I came in the world crying and fussing. Nigga, we ain't have nothing. Every ghetto I know the same. We tryna make a little change. Preacher man come around talking. I don't wanna hear, keep walking. I'ma put the powder in the pot. Whip it till I'm pulling off a lot. Imagine when I pull it off the lot. The new shit come without a top. Once I'm on, I ain't never gon' stop. Bitch, I'm on, I ain't never gon' stop. Hey, came in the game getting money. Flip a chick's whip, get money. Niggas get the plan with the money. Click bang for the money, shit change over money. They love to see a nigga on the bottom. Catch a come up, gotta keep it on the low. A nigga plug, bless a nigga with a hoe. Wanna break the bitch down in the 36 hoes. Look at here, bitch, I'm A-OK. Shawty won't fuck with me. Strippin' you, they jiggin' it. She gon' hit my line. We ain't gon' waste no time. Les gars, c'est une dinguerie, on est à Théoule-sur-Mer. Le trajet là, c'était comment, Hugo? Ah, c'était fatigant. Hein. Franchement, les gars, là, il faut liker, il faut commenter parce qu'on a donné notre vie, là, je suis trempé. Donc, j'explique un peu le concept. Monk Mode, comme vous connaissez, hein. J'adore ce protocole. Ça permet de se concentrer, d'être à nouveau focus sur soi. Donc là, j'ai quitté Monaco, Cannes, la guerre, les bouteilles, les soirées, etc. Là, je me suis dit, voilà, il faut me poser. Il faut un endroit posé avec la mer, du paysage, la paix, tranquille, où je vais pouvoir me ressourcer. Bosser à fond, être coupé un peu des réseaux d'internet, des soirées, des gens que je connais et surtout avancer à fond parce que je prépare un truc, je ne peux pas vous en dire plus, mais si tu regardes cette chaîne, c'est que tu aimes l'entrepreneuriat, c'est que tu veux créer un business ou tu as un business à améliorer et je vais vous préparer un truc, un banger gratuit, ça va être un truc de fou. On va pouvoir avancer ensemble et bosser sur ton business, mais voilà, pour préparer ça, il fallait que je sois dans un endroit un peu calme. Donc là, regarde, il y a la mer, c'est tranquille. En fait, le Monk Mode, il n'y a pas de protocole pur et dur en fait. Le but, c'est d'être dans un max de productivité et de voir pour toi qu'est-ce qui te distrait le plus. Par exemple, moi, je sais que la distraction que j'ai le plus, ça va être le téléphone. Moi, j'ai pas TikTok parce que je trouve que c'est une application où on t'endort très vite. Mais même Instagram avec les réels, tu peux vite perdre du temps. Et aussi, je vais être beaucoup sollicité parce que moi, vu que mes aides sont tous en ligne, j'ai des équipes, etc. Je reçois des messages tout le temps. Donc là, en fait, ce que j'ai mis en place, c'est... Je me lève beaucoup plus tôt, avant mes équipes, comme ça je peux travailler tranquille. J'ai des périodes de deep work où je travaille à fond et mon téléphone il est en mode avion. Comme ça on ne me coupe pas dans mon workflow. Parce qu'en fait le truc c'est que des fois tu es en mode travail et tu reçois une notif et il faut régler un autre truc. Après tu retournes sur une autre tâche et tu t'embrouilles. Donc c'est le but, c'est vraiment d'être très concis sur mes tâches et très focus. Et aussi me reconnecter avec ce que j'aime le mieux. Donc c'est-à-dire manger bien, être dans un bon environnement, boire beaucoup d'eau et aussi, bien sûr, profiter aussi d'être dans la nature comme ça, passer du temps tout seul pour aussi réfléchir à ma vie. Parce que moi, il y a une phrase qu'on m'a toujours dit et que j'ai trouvé hyper intéressante, c'est un mentor qui m'avait dit ça, c'est « La vie, c'est un peu comme un jeu d'échecs. » Et en fait, à chaque fois que tu déplaces un pion, tu ne peux plus retourner en arrière. Donc à chaque fois que tu déplaces un pion, il faut bien réfléchir à comment tu vas déplacer ton pion. Et la vie, en fait, c'est un peu ça, tu prends des décisions. Une fois que la décision elle est prise, il n'y a pas de retour en arrière. Donc, il faut prendre du temps pour être focus sur toi, pour être tranquille et pour réfléchir au move que tu vas faire. Et ça, c'est très difficile de le faire quand tu as des distractions autour de toi. C'est comme si je dis maintenant de jouer aux échecs, mais en même temps, je te parle, en même temps, il y a de la musique, en même temps, il y a des gens qui font la fête à côté de toi, c'est pas possible. Donc, il faut des moments où tu te coupes un peu des gens comme ça, où tu es vraiment tranquille et tu bosses sur toi, sur ta personnalité, sur ton mindset, tu réfléchis à ton avenir, tu réfléchis à quelle direction tu veux prendre. Et ça, le meilleur moyen de le faire, c'est d'être un peu tout seul. Donc, moi, j'adore prendre parfois du temps tout seul, pour justement pouvoir me focus sur moi-même, me poser les bonnes questions et après prendre les bonnes décisions et faire face à la vie. Pourquoi avoir une vie médiocre alors que d'autres vivent la liberté, le confort et les expériences de vie? Il y a une vie que le top 10% vit, une vie avec plus de liberté, plus de confort, riche en expériences et en partage. Pour ça, il faut faire ce que 90% des gens ne veulent pas faire. Prendre conscience de son plein potentiel et se concentrer sur son objectif. Être conscient que chaque jour est un rapport de force entre tes distractions et toi. Entre la vie de rêve et une vie dictée par le système et toute forme de distraction. Je veux qu'on fasse un deal, toi et moi. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment, ni où tu en es dans tes objectifs. Mais tu vas te fixer un objectif avec un délai pour le réaliser. Pas demain, pas plus tard, mais maintenant. Je suis pas en train de te dire quoi faire. Je suis juste ici pour te rappeler que tu as le choix.
il y a un chemin qui te ressemble qui est juste devant toi. Il y a plein de vidéos dans cette chaîne qui vont t'apprendre comment sortir de la rat race. Et si tu es vraiment déterminé, il y a un lien dans la bio qui te permettra de me rejoindre et d'atteindre tes objectifs en un temps record. En attendant, je te souhaite le succès que tu mérites et la force de travailler pour y arriver. C'était Julien, à bientôt.